fait, je me suis inspiré des masques africains que j'avais vus au musée du Quai Branly à Paris. Et à partir de ça, j'ai choisi de redéfinir ces masques. J'ai choisi de les repeindre et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a une vingtaine de tableaux qui sont exposés à l'atelier. Chaque masque représente une histoire ou une tribu d'Afrique. Par exemple, il y a un tableau qui représente la fertilité, un autre tableau la sagesse, un autre tableau l'immortalité, un autre tableau la chance et un autre tableau le bonheur. Au fait, tous les tableaux que j'ai faits m'ont été inspirés, obligés. Mais disons qu'il y a un ou deux tableaux qui m'ont demandé beaucoup plus de travail à faire. Beaucoup plus de recherches, de documentation, beaucoup de couleurs, de peintures à utiliser, beaucoup de journées, quoi. Beaucoup plus que les autres. Certains m'ont pris peut-être un jour ou deux, d'autres m'ont pris une semaine. C'est-à-dire que là, je termine cette expo sur les masques et je vais choisir un autre thème pour la prochaine exposition. On ne sait pas, dans un an, on verra. Pour l'instant, je réfléchis à un thème. Ça viendra comme ça. Il faut que le déclic se passe. C'est à partir de ça que si j'éprouve quelque chose, je ressens quelque chose en moi, c'est à partir de ça que je peux déclencher un tableau.